Bonjour tout le monde. Allez, aujourd'hui notre mise en vente Mercedes classe A 200D Fascination. Un pack Fascination de décembre 2013. Véhicule en boîte mécanique qui a 205 000 km. Donc forcément, au vu de l'année du kilométrage, on est un véhicule qui n'est pas neuf, hein, bien Des entendu. petits défauts, mais qui sont légers, on va Qui dire quand sont, même. bah, on va dire qu'ils sont normaux, là on voit le volant, ils sont normaux pour l'âge et pour le kilométrage du véhicule. Donc on a quand même l'intérieur qui est sympa. Là on voit le siège, bah, le cuir fin là qui pèle sur le dessus. Et donc là, c'est vraiment les défauts de l'intérieur, c'est vraiment ça. Il y a un petit peu les boutons, vous voyez le plastique qui s'enlève sur certains boutons. Et par contre, donc on a en option, on a la caméra de recul, vous avez le GPS, les radars à l'avant, à l'arrière, le régulateur, le limiteur de vitesse. Donc après tout ce qui est Bluetooth aussi, hein, bien entendu, allumage automatique des feux. Les Donc on peut, vitres voilà, les vitres surteintées. surteintées, les bouches de ventilation à l'arrière, cet intérieur sport qui est quand même bien joli. Donc là, c'est une Les peinture noire, donc forcément, vous avez voilà, micro-rayures, des ça, de toute micro-rayures. façon. Là, sur le toit, on voit, il y a une petite bosse, et on voit, hein, les micro-rayures, ça. Voilà, vous en avez quelques-unes un petit peu tout Le autour. noir, Hein. On malheureusement, de toute voit les façon. petites poques, les petits rayures. Je pense que certaines peuvent partir avec un bon polish, mais on préfère montrer le véhicule Être tel quel. transparent, voilà. Voilà, les jantes, hein, pareil, les jantes à l'avant, on vous a pas montré, mais jantes à l'avant, la périphérie. Voilà. Après, c'est un véhicule, par contre, qui a toujours été super bien entretenu. Hein. On a toutes les Oui, factures. les factures, plein de factures, ah oui. Vraiment bien suivi. Donc ça, c'est l'avantage. C'est une chaîne de distribution, pas de courroie, donc ça, c'est bien aussi. Les pneus arrière sont extrêmement, sont Les très jantes récents. sympas, bitons, comme Les ça jantes sont leur va sympas, bien, ouais. ça change Les un jantes sont peu. vraiment sympas. Voilà. Un très beau coffre dans la catégorie. Le Le kit. gonfleur avec les écrous anti-vol. Donc voilà, pareil, là, la jante frottée ici. Et je pense que de l'autre côté, pareil, là on voit quelques ben, des petits pocs, là on voit qu'il y a une petite reprise. Bon, donc après, on est sur un véhicule, donc comme vous disiez, de 205 000 km, Qui est de 2013. qui est 2013. On est sur un prix quand même assez bas aussi, hein, donc on peut pas tout avoir. Voilà, donc après, vous pouvez se mettre à l'intérieur. Ouais, la caméra de recul. Voilà, au niveau de la conduite, pas de souci. Au niveau de l'embrayage, rien. Elle marche, fonctionne bien. Vraiment pas de souci. Très bon châssis, très agréable. Vraiment rien à redire, quoi. Voilà, véhicule qui est maintenant bien connu. Avec ce 4 cylindres sur les 8, hein, le moteur Mercedes, C'est ça. à chaîne. Donc, qui est quand même très robuste. Donc, c'est vraiment, ça peut être une voiture vraiment sympa pour un petit jeune ou une petite famille ou quoi. C'est pas mal parce que 5 places, pas trop gros, pas trop C'est petit. ça, bien entretenu, mais ça a des bornes à faible prix. Ouais. Voilà. Exactement. Parce que souvent, vous voyez, dans ces kilométrages-là, souvent, on a l'entretien maison, on n'a pas forcément de facture, Voilà. c'est pas l'entretien un petit peu, bon. Bon, et là, on a quand même quelque chose de vraiment bien, bien suivi depuis le début, en plus. Hein. On a Ça. vraiment un super histoire. Donc ça, c'est quand même super bien, quoi. Donc voilà, les amis, écoutez, une belle petite compacte Il sera à prix bientôt en attractif. ligne. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. Le lien vers l'annonce, comme d'habitude, dans la description. Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt.